Moi, je pense que dans l'opposition, il y a des problèmes. Et nous arriver à reconstruire la direction politique là. Et ça, c'est un effort. Il y a plus d'autres efforts qu'on fait, il y a plus de groupes qu'on met ensemble dans le Nord. Et un jour, on va retrouver. Et moi, je pense que le ça n'a plus fort. Il faut accepter la différence. Il ne faut pas se mettre de l'avant. Il faut faire tout pour Haïti. Parce que dans le niveau que nous avons, ce leadership là, il a échoué. Alors que le leadership du pouvoir est déjà échoué, dans qui ça a été là. C'est là, toi, tu. Moi, je crois que vous avez franc parler. Et nous avons posé une question sur ce qui est passé. Est-ce que, ou même, qui est en opposition, parce que nous avons une influence, vu l'importance, ou pas tout courant que l'opposition, effectivement, est mandat à sénateur, ancien sénateur qui est Sébastien pour que l'Ital discute avec et de l'autre monde. Écoute, on a des questions. Mandat avec qui est Lidenal Gazard. Ouais. Moi-même, moi question l'audience. Je ne crois pas l'opposition a besoin de mandat pour la discuter à Lidenal Gazard. Moi-même, je parle à n'importe qui est. Je suis dans l'opposition. Si le docteur Kelly Sébastien, qui était président de la Chambre des députés, président du Sénat, il parle au monde, m'oblige à surveiller ou bien le mandat, ce n'est pas le président de la République, non? Ce n'est pas le premier ministre, il n'est pas le Baltazar. Non, mais il est le nom, secteur démocratique et populaire, c'est ça le dit. Alors, il est allié. Écoute, moi-même, je parle comme ça. Je pense que le sénateur Bastien peut voir un autre leader. Le sénateur a des convictions, il a la ligne du secteur démocratique. Il a la ligne du secteur démocratique. Mais est-ce qu'il avait son mandat? C'est ça la question. Non, c'est, mais. C'était là, oui, toute la question, sénateur. Mais pour qui ça? Vous pensez que si je dis, disons, je parle le leader de AA, l'ancien ministre d'Orson, le député d'Or, si elle rencontre au monde, ils viendront quand même faire rapport. Dire que nous nous sommes rencontrés au monde, voici ce qui a été. Il connaît déjà la ligne de AA. Il y a une ligne AA. Faut que c'est ligne AA que vous répétez. Sénateur, bon nous avons bagaille. Non, pour donner mandat. Je veux dire, quel cas on donne mandat. Maintenant, si que Kenyan ont délégation officielle qui pourra aller, eh bien, on peut s'asseoir pour désigner une délégation qui pourra le rencontrer, justement la délégation. Mais la rencontre avec Lini Baltazar, est-ce que c'était une rencontre officielle? Moi-même, moi, ouais, en pile leader, Liné Baltazar, son monde que moi-même, moi, rencontré avec elle. Je vais sur un autre sénateur, Liné Baltazar, là, Nchitan Palé. Là, je vais aller problème. Moi, je me dis, mais j'en vois, bon, nous, pas, j'en finis entendre nous. OK, nous, quand j'en ai un point commun, gagne 9 fois, nous, jouer. Et puis, nous disons, OK, j'en ai dit, encore, à la revoyou. Mais, écoute, en passant, maintenant, il y a la réunion hebdomadaire du parti. On dit, monsieur, j'ai testé le sénateur, j'ai rencontré Liné Baltazar, voici ce qu'il a dit, et voici notre position. Et puis, c'est fini. Alors, sénateur Baltazar, c'est son autre bagaille, puisque c'est son parti, son ligne idéologique, mais on regarde les secteurs démocratiques. Ils ont une ligne idéologique. Oui, d'accord. Non, c'est pas dit le contraire, non. Mais avec des tendances qui ne sont pas forcément uniques. Maintenant, ancien sénateur, vous voyez, ancien parlementaire, l'ONU a assemblé, par exemple, assemblée a, si on enquête, qu'en fait, assemblée a désigné les gens qui pourraient le faire. Donc, et de façon officielle. Les gens désignés, ils travaillent pour l'assemblée. Au nom de l'assemblée. Donc, maintenant, le secteur de démocratique et populaire sont structurés. Si certainement, en raison de, puisque il symbolise l'aile radicale de l'opposition, vous avez le constat. Et c'est ça qu'on constat. Maintenant, si on ne peut pas parler dans le noyau, moi, je suppose que, vous connaissez. Et yo peut-être c'est pas un mandat écrit, mais yo bail un mandat. Écoute, parce que moi quand on trouve l'allié sénateur, mais au moins c'est pour ça. Okay, moi j'ai vu les différentes notes. Ok. Sénateur Bastien dit il était gagné. Moi j'ai vu la note du sénateur Beauplan. À un certain moment il y a une réunion. Ils ont accepté que ils étaient parlé ça entre eux. Mais moi je crois que eh bien on devait résoudre ce problème. Parce que lorsqu'il y a un problème dans le secteur démocratique, c'est également notre problème d'art. Ah oui, certainement. Puisque nous sommes dans l'opposition. L'opposition plurielle. Et moi-même, moi souffri lorsqu'il y a une division. Cependant, moi pensais que je dis à
yo s'le poser problème là comme ça structure la vienne plus lourde côté que avant on est ta grande conversation avec un autre monde eh bien faut ta grand mandat. Moi je pense que si on doit rencontrer disons une commission mise en place par l'international, on doit avoir un mandat. Mm-hmm. Okay. Ou par la présidence aussi. Hein? La présidence. Oui. C'est-à-dire s'il y a une commission et que exactement. Il y a rencontré. Il y a rencontré. Il y a décidé de rencontrer. Il faut avoir un mandat pour que ou aller rencontrer. Parce que à partir du moment qu'on va le rencontrer, c'est-à-dire vous vous engagez maintenant les autres. Mm-hmm. Mais si c'est une conversation qu'on rencontre au monde, que ou le temps d'il, ça l'a dit pour moi. On a besoin de mandat. Mais dans les notes, j'ai vu, et d'après ce que j'ai entendu dans les réunions, que tu as eu un mandat que tu as eu. Et c'est peut-être ça, moi-même, personnellement, j'ai beaucoup souffert le que moi, j'ai eu une division, mm-hmm. parce que c'est des mondes que je pense qui sont de grand calibre, tous les leaders du secteur démocratique. Merci, sénateur. C'est là où on va le venir. Moi, c'est des leaders complémentaires. Il y a chaque bon leadership qui permet à l'autre là pour que vous gros leadership. Mm-hmm. Écoutez, c'est leur division, c'est le ça moi souffri parce que moi pensais que y était démontré ça moi-même apprécié là le leadership collectif. Mm-hmm. Puisque c'était 12 ou 13, 14 pendant 2 ans, 3 ans. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça moi dit quel que soit le problème qui gagne reste dans l'opposition, on va se retrouver hein, à la prochaine passe. Mm-hmm. Parce qu'il faut qu'on se retrouve parce que on n'a pas besoin seulement des leaders pour l'opposition. On aura besoin de tous ces leaders pour la gouvernance. Mm-hmm. Parce que nous n'avons pas de gouvernance à l'heure actuelle. Nous avons montré que nous, monsieur, dans la sécurité, zéro barré. Dans le système électoral, nous avons montré que nous, là. Je prends les données de l'ONI. L'ONI dit qu'il fait 3 millions 4. Il dit oui, pour moi, c'est 2 millions qu'il fait. L'ONI dit qu'il distribue 2 millions. Ceci pendant 2 ans. Mm-hmm. De 2018 à 2020. Comment pour faire reste 4 500 000 critères. Ou pas le prendre, faire le chiffre de 3. Si pendant 2 ans, ou tu fais 3 millions, eh bien, qu'on y a, pour faire 4,7 millions, combien, dans combien tu vas faire? Alors, ça y a mis ton boucher double. Et sous garde, tu vas avoir 3 ans. Il va mettre ton boucher double, sénateur. Moyen technique, je suis supposé. Je vais nous donner information. L'ONU a besoin de 2 millions de dollars que tu as fait demander pour augmenter le matériel. Ni international ni national babaline. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ton priorité pour eux. Maintenant que l'ONU dit que l'abjoint il a fait 11 400 par jour, mm-hmm. même s'il fait 11 400 par jour, pour 4 500 000. Non, parce que c'est la deux. La preuve, plus que un an, oui, nous sommes en octobre 2020. Moi, je vais un cas qui est certainement au coin de lit. Et je prends Saint-Michel Lacaille que je connais. Tout le monde qui a fait 4 jours, c'est dans cette ville-là où vous vous avez venu pas jouer un gaz, pas un gaz dans Delco. Vous comprenez? Et vous avez au courant des grosses lignes qui gagnent. On dit comme ça, vous avez fait question 4 là sont priorité pour vous. Vous mettez au centre de distribution de confection de 4, la caille, Batso. Vous mettez la Lomas, vous mettez les mythes, vous mettez le Mamon. Ça veut dire une grande déconcentration. Donc, service là, tout près Mounio. Si vous avez ça comme priorité, c'est ça qui arrive. Oui, ça qui arrive que par contre, ou pas parce que ça. Du tout. Okay. Mm-hmm. De 2006 à 2015, l'ONU qui dégaine tout système machine, calendrier, qui dégaine mobile pour te faire carte, il fait 6 500 000 cartes. Mm-hmm. Ça, Mabdoula, c'est l'ONU oui, qui baille la communauté internationale, la rapport. Rapport, ok. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça lié, non? Non, je vais te dire, dans la réalité, ça lié. Au moins, dès qu'il y a le candidat PHTK, il réunit en côté, il rassemble les gens de la CAELI. On va chercher des gens qui sont venus là, et le monsieur Makone qui est en prison maintenant. Il dit c'est 4. Il réunit les gens qui font 4 la CAELI. Oui. C'est de Villepic. Villepic. Il réunit les gens qui font 4 la CAELI. Chaque candidat PHTK réunit les gens, parle et puis il fait 4. Il y a fait 2-4 pour un seul monde. C'est ça qui est là, oui. Sous après exactement combien de cas effectifs qui diminuent, ou qui va jouer millions. Hein? Deuxièmement, l'ONI, la capacité, lorsque tu as 4 millions dans la zone métropolitaine, et les 7 autres millions maintenant dans le reste du pays, ou bien 8 millions, eh bien, à partir de ce moment, comment on va le faire arriver pour faire 4 là sous ou gagner un parc automobile de 5 machines?
qu'on va le faire. C'est que vous arrivez dans la majeure partie du pays, c'est le plus souvent, vous obligez à utiliser l'énergie solaire parce que il va fonctionner. L'ONU avec l'OEA, qui a fait quand dans le centre-ville, eh bien, de 2006, hein, de 2006 à 2010, ils ont vu remarquer que plus fort mon de remarquer, ils ont été obligés de mettre des cliniques mobiles de tous côtés. Mm-hmm. Et la carte, c'est deux choses. Parce que l'offre 4 là, on va remettre tout. Ils ont dit qu'il y a 1 million de cartes que vous pouvez bailler. Qui imprime les femmes. Mais l'autre 4 500 000 là, admettons que tu as pris un an et demi pour faire. Il y a pas 3 ans, vous dites c'est parce que son management lié, le système de confection des cartes, le système de distribution sont l'autre bagage. Alors, souviens, monsieur le sénateur, est-ce que par contre l'autre problème tout? Parce que fait 4 là, c'est yon, mais ça va le dit à l'heure. Dans les sections communales, par exemple, Lasca ou Bas, qui gagne plusieurs sections, c'est dans le centre-ville que tout le monde vient faire 4. Maintenant, si ils n'ont pas décentralisé ou bien déconcentré la question de dans le centre-ville pour mettre dans la section communale, est-ce que il y a un moyen pour ça pour mettre dans la section communale? Parce que les gens qui viennent faire 4, tout, ça va nous comprendre. Dis où il y a une capacité pour faire un ensemble de 4, pas fait vraiment que vous avez 4 ça. Parce que le peuple haïtien a un gros problème. Il est très lent. Pour venir faire 4, il y a des gens qui prennent le temps. Deuxièmement, et les gens qui font 4, yo, par exemple, yo dit quand c'était 4 qui imprimé, moi je fais 4 pas maintenant depuis plus que 1 an, bah j'engage. Pas bon, c'est connait ou pas connait histoire. De 2006, c'était la flotte de l'ONU oui, qui faisait les cartes. L'ONU t'a mis 150 machines à disposition pour que tu fais cartes. C'est-à-dire que machine qui est marquée Nations Unies, mm-hmm. c'est yo qui t'a allé à technicien dans un de yo. Yo passé 3 jours à la batterie, il y a la section communale localité où tu fais cartes. L'ONU ça n'a pas gagné 10 machines, l'ONU ça. Comment on va faire 4 là? Il y a plus. Il y a une section, il y a une commune, par exemple, sous un département, un plateau central, le département du centre. Je vous ai qu'il y a 13 communes, oui. Donc il y a 13 machines, non? Ah ouais? Ah ben vérifiez ça. C'est ça. Vérifiez ça. Donc, premièrement, la question de logistique. Ça pose problème. Ça pose problème. Donc, je dis à l'heure où elle me dit, là, l'ONU dit, il a fait 11 400 là, elle me dit, menti. Et c'est pas un danger, sénateur. Mais écoute, tu peux pas parler d'élection si 7 500 000 personnes qui ont âge de voter, eh bien, ils n'ont pas qu'à faire 4. Ça ne m'a pas parlé de problème, simplement technique. Donc, je ne parle pas de problème des malogues là, non? Qui fait que, il y a pile de monde qui dit qu'on va faire 4 là. Oui, ça c'est ça un sont leurs problèmes. Ouais, moi-même, je parle d'un système côté que, les gens qui ont parlé de 4 de élection, il faut attendre 2022. Fin 2022 pour que yo t'a fait 4 yo et peut-être 2024 pour yo distribuer tout 4 yo. Mais sénateur, excusez, est-ce que pas grand danger? Le par exemple, ou ni mettez accent sur question 4 ça yo et on dit 4 qui était là avant pas valable. Qu'il y a un monde mais danger. Yo monde par exemple qui fait nouvelle 4 là, 4 des malogues là, mais qui était ancienne 4 là. Par exemple moi-même, me fait nouvelle 4 des malogues là, une ancienne 4 là. Comme responsable des malogues yo pas bon 4 ça depuis un an et demi, m'a utilisé même 4 que me dégagne. Qu'il y a un autre monde lui même qui fait nouvelle 4 là, qui jette ancienne 4 là. Et puis devant, comme faut qu'on aille dans l'élection, moun nan gade l'ouel pas jam, quand il y a une nouvelle 4 là, qu'il y a une ancienne 4 là, qu'il y a un autre jeté. Qu'il y a pour prendre dans l'élection par exemple, comme un ensemble de haïtiens qui déjà gagne ancienne 4 là, et une décision qui vient de prendre qui dit, n'a fait élection avec ancienne 4 là. Et puis, moun, ça a eu des jetés anciennes cartes là, il y a une nouvelle là. Ça qui a passé, pas de danger là. Non, mais c'est quoi? Par contre, si l'autre jour, tu as regardé ce qui est arrivé au Burkina Faso, au Sénégal, où il y a eu presque ce même système de cartes. Leur fait l'autre carte, yo, quand ça a dit dans le pays, un officier qui a parlé, il dit carte, ancienne carte nous dégagé, il est valable jusqu'à expiration, pendant que m'a fait nouvelle carte, yo. Seulement, l'heure fini, nouvelle carte là, eh bien, c'est libre ou venir faire ou pas qu'elle fasse ancienne encore. C'est ça lié normal. C'est ça pratique, oui. C'est ça pratique. Eh bien, Marie Siko, regarde ma carte, regarde qui l'a fini. Moi, 4 qui a fini en 2028. Ouais, exactement. Mais son 4 que je fais, son loi, juin 2005, qui lui-même, c'est bon, mon droit. Toi, qui que je dégage, c'est que 4 ça a, moi, t'es fait pour 10 ans. Et que l'a fini en 2028.
qu'on n'a pas qu'à venir dans l'autre loi pour avis les droits acquis, non? Article 51.2 a dit que, justement, ou pas qu'à 51.2 Constitution, il dit que, ou pas, la rétroactivité s'applique simplement en matière pénale. Et lorsqu'elle est favorable à l'accusé, ou pas qu'à retourner à une loi pour dire que 4 n'est pas valable, non? Ou en tout cas, il y a couru pressé avec 4 là, c'est la question de Derbalog. Ils voulaient éliminer tout l'autre bagaille pour que Jodia ou obligé de prendre des malogues là. Vous voyez ça vous fait? Mm-hmm. C'est la première fois que nos pays ont dit passeport. Est-ce qu'on va faire le sénateur? Hein? Est-ce qu'on va faire 4 là? Qui 4? 4. Non, mon 4 qui est valable là. Et on va faire 4 là. Mm-hmm. On va faire. On va faire parce que ce n'est pas comme ça. Nos pays ont établi question d'identité. Il n'y a pas établi d'identité dans le marché pressé, dans le monde pression. Vous faites non. Qui quantité 4 ça au cahier 4 qui a expiré 2028 non. Parce que le projet n'est pas maintenant. Écoutez, grand pays 4 qui est fait en 2015, mais ça même si il est fait en 2016, mais vous faites non, ça pour nous garder. Est-ce que nous avons une quantité 4 par exemple, qui a fini en 2028, j'en ai dit, par contre, si 500 000, si 1 million, il y a une façon, si vous êtes considéré 4 ça, vous avez déjà 1 million de monde qui. Mais dans tout pays sérieux, c'est ça pour vous être considéré. Parce que ça, c'est un droit acquis, que on ne doit pas qu'à venir retirer. Ok? Loi, ça pas qu'à rétroactif pour éliminer le droit, ça que nous l'avons. Et dans tout pays, il y a dit que le 4 ça a fini, on va le faire l'autre là. Mais la question de Dermalog pose problème. Et si ça pose problème, il faut que rapidement, il y ait imposé 4 Dermalog à tout le monde. Mais sénateur, on va risquer d'arriver dans un moment là, on va pas faire une transaction. Bon, de toute façon, écoute, la défaite du droit. Improvisoire. Improvisoire. Mais si ça passait un an, deux ans, trois ans, ou à chaque fait transaction. La défaite du droit est provisoire. Mm-hmm. Nous, nos situations, d'ailleurs, avec cette carte, si on ne dit pas fait transaction, eh bien, la justice quoi, elle dit que 4 ans là. Ah oui, parce que normalement, son droit acquis que je gagne. Mm-hmm. Mais deuxièmement, cette question de carte, en général, il pose problème. Il pose problème. Mm-hmm. La Cour des comptes n'a pas ratifié le problème de l'égalité. Mm-hmm. Je dis à son institution qui dit que on ne comptera pas, bon, il fait quand même. Donc, je dis à est-ce que moi l'entrée par peur ou bien par acceptation pour me dire, eh bien, moi résigner ou bien par résignation. Non. Non. On ne peut pas faire ça comme ça. Est-ce que parce que je dis à c'est l'identité des gens qui est en question. Est-ce que vous supérieur des comptes, par exemple, des jeunes qui ont cherché du travail, qui par exemple, il y a deux contrats? Contrat au journal Job Val, et puis il a gagné nouvelle carte là, et ancienne. Non? Et qui carte là, vous pensez, la Cour supérieure des comptes à... Écoutez, la Cour des comptes, selon l'article 143.1, elle dit que il y a un pouvoir pour que toute loi, tout arrêté qui est contraire à la Constitution, pour que lui-même le déclare au nul. Je dis parce que, je parle au mot exemple, loi ça ou bien arrêté à l'encontre à la constitution qui a vie droit qui de monde qui te gagne l'autre quatre là. Donc parce que je dis il revient passer en fait, et ça me parle de leadership collectif oui. Mm-hmm. Chaque monde doit prendre responsabilité. Il revient à tout un chacun de prendre ses responsabilités. Et responsabilité ça qui a fait que pays a marché. Mais si je dis avant il y a tout le monde flanché pour dire eh bien bon me fait faire pam bon me grave nous pas sortir de là. Le leadership individuel n'est pas la solution en Haïti. Mm-hmm. Parce que nous n'avons pas gagné l'establishment qu'il faut. Regardez aux États-Unis. Où est-ce qu'on va avec le leadership individuel? Vous voyez, j'ai la baissé aux États-Unis, dans les yeux du monde, la baissé puissance. Hein? Parce que le bon leadership individuel, tout le monde décide de bagarre, conseiller lui ou pas connaître. Donc, ça veut dire que même dans les pays forts, à establishment fort, il faut avoir l'autre leadership. Il faut réviser le leadership. Là. Mm-hmm. Eh bien, je dis à moi, parce que si chaque monde a essayé de sauver à côté, ou pas jamais arriver à sauver le pays, ou qu'à sauver tête. Mm-hmm. Donc c'est peut-être ça que je dis, force importante qu'il a, l'absouti, non solidarité, côté, tout le monde a dit son win-win. Je ne pas gagner à 100%, mm-hmm. mais je gagnerai à 50% lorsque le pays gagnera. Et 50% va perdre des individuels là, il n'y a pas rien devant ça qui représente un pays qui est effondré. Mm-hmm. Mais sénateur, est-ce que je le dis à la... Par rapport à ça qui passe dans l'opposition et la population n'a pas de raison pour inquiéter si demain l'opposition ça vient arriver une possibilité pour accéder au pouvoir. Parce que justement, donc le constat est évident côté que et
c'est dans mentalité nous, c'est dans ça qui est comme culture politique. Il a dit comme culture politique, lui, c'est tout un processus de socialisation là, difficile pour retirer ça dans la tête nègre là qui croit c'est lui-même qui a fait, c'est le leader charismatique, c'est l'homme le plus sérieux, après il pas grand quoi. Donc et sénateur, il pas sorti jodia. Est-ce que jodia nous tant qu'on a dit un leadership de surveillance, on dit deux mots à leadership de direction de gouvernance. Opposition m'a parlé là. Mm-hmm. Est-ce que nous qu'à penser que gouvernance ça va le bail résultat lorsque donc chaque nèg croit que c'est eux même et si c'est pas eux bah elle a gâté sénateur. Balzo bagay. Au compte comment tu réussi année président sénat là, c'est par le leadership collectif. Le leadership collectif. Je venais le matin à 9h, réunion de bureau de 5, nous garder programme là. Et puis j'appelais tous les sénateurs. On faisait la réunion de 9h à 11h. Mm-hmm. De 11h à midi, j'appelais les sénateurs. Chaque sénateur était important pour moi. Sénateur, nous gagnons séance à midi. Où est là? Ce qui ça dans le programme là, où tu as besoin, ou penser que tu as mettre. Mais ça nous a fait dans la conférence des présidents. Nous avons pile qui sont passés au comité. Les gars disent, ah, sénateur, nous avons une proposition de loi, oui. Mon cher, nous avons comité le mardi, on met le jeudi. Mais ma boko, oui. Parce que jeudi, ma besoin de proposition de loi. Mm-hmm. J'appelais les 30 sénateurs. Et à midi, lorsque j'avais 18 sénateurs, je commençais. Et à 4 heures, j'avais 27 ou 28 sénateurs. Mm-hmm. Parce que nous avons impliqué tout le monde dans la gestion du Sénat, qui c'est 30 sénateurs qui parlent. Mais notre situation là qui est difficile, oui, pour ça fait, sénateur. Non, il est capable. Oh. Écoutez, sénateur. Le leadership collectif. Sénateur, souvent avec moi, sénateur. Ça, on dit là, c'est côté. C'est que, Haïti, oui. C'est, non. C'est 2017, oui. Sénateur, on va d'accord avec l'Assemblée des sénateurs, côté que chaque nègre, en fonction des propositions que vous gagnez, vous voulez effectivement faire passer. Parce que nègre a besoin actif pour le tourner. Il a besoin bilan, sénateur. D'accord. En bas, nous gagnons. Nous avons 29 sénateurs. Mm-hmm. Pas oublier, nous disons encore, nous avons assemblé des sénateurs avec la maison bilan. Okay. Puisque nous avons avantage de là. Mm-hmm. Mais, je dis à sénateur, bon, pas besoin de faire personnalité. Amen, allez. En 2016, vous avez un bilan sénat. En 2018, vous avez un bilan. Mm-hmm. En 2019, vous avez un bilan. Mm-hmm. Il y avait toujours les 30 sénateurs. Pourquoi il n'y avait pas le même bilan? Non, sénateur, mais ça me dit, gain de nèg. Gagne de monde là qui montrait que c'est pas des adversaires politiques, c'est des ennemis de ça maintenant de là, sénateur. Autant de autour pays, attendez. En politique, mais qu'on est, il existait des adversaires politiques. Et au nom de l'intérêt général, de l'intérêt du pays, car on côté le font chita. Mais, matin, moi, attendez de nez cap traité de nez 208, oui, sénateur. Écoute, je vais le travail. Oui, moi, attendez lui. Ou en sénat. L'homme est rentré. Moi, je ne suis pas peur, je suis un homme de centre droit. Mm-hmm. Ok? Ça veut dire que, il y a pile de monde en Haïti de la gauche. Il y a des gens qui pensaient, l'autre jour, un animateur dit, eh bien, si les gens de centre droit, comment le café boule à centre gauche, c'est pas vrai. En France, les républicains avec les socialistes, c'est eux qui opposition de Macron. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que, moi-même, je pense que mon ligne idéologique, mais, bon, l'autre monde qui est en ligne, mais à travers tout, il y a Haïti. Et comment pour moi rejoindre un nègre là? Qu'est-ce que nous avons de commun? Nous avons Haïti. Haïti. Nous avons de commun qu'il faut la sécurité pour tous. Nous avons de commun qu'il faut la production nationale pour tous. En nous fonctionner sur ça, nous sommes capables. Et bien, au Sénat, chaque sénateur a un loyau. Ça me pense. Je pense que chaque sénateur a un département. Donc, moi intégré. Ou qu'on a des sénateurs qui sont venus. Ils ont gardé haute du joie. Ils ont dit, oh, qui est en Nord-Ouest là? Je vais aller. Il va arrêter. Et vous perdez la séance. Et sénateur, on ne va pas dire le tourner. On ne va pas prendre l'instruction contre lui. Donc, moi, impliqué la donne. Aujourd'hui, l'homme est capé pour dire que oui, monsieur, sans honte. Écoutez, c'est un excès de langage. Un excès de langage. Moi, qui a dit, monsieur, attention, pas de marronnage là. Non, on connaît ça, ça pose des problèmes, sénateur. Oui, mais. Ça, c'est un grand obstacle, oui, à un éventuel rencontre. Mais, de discussion. Même balle de bagage. Mm-hmm. Il y a un bagage qui est extrêmement important, c'est que l'homme politique doit faire un effort pour se passer tête. Je peux avoir une grande différence avec le monde,
Mais cependant, je cherche là nous qu'à entendre nous pour Haïti. Et sous différence, on beaucoup parler de eux. Parce que ça vient arriver dans la situation que nous y est là. Ou pas jamais qu'à gon un pays si que nous pas un minimum d'entente. Et je dis à minimum d'entente où nous jouons dans la direction politique des partis politiques là, il n'est pas facile là. Il y a des gens qui ont réuni avec, on est là vraiment à gauche, moi à droite. Mais je me suis dit aujourd'hui, Haïti, est-ce que c'est une question de gauche et de droite? Non. Haïti, c'est une question de sécurité, production nationale, sécurité sociale et éducation, santé. Ou pas besoin ni de gauche ni de droite. Donc, vous voyez ça où? Sénateur. Donc, je dis à moi, dis là, monsieur, on nous garde Haïti et on nous garde qui minimum nous a fait ensemble. Je dis à c'est vrai, au cas, moi-même, quelquefois j'ai de la colère. L'homme ils vont côté n'a fond bagarre contre Jovenel et puis moi des gars dévié ou bien des gars fait et à droite à gauche. Mais cette colère doit être maîtrisée. Cette colère doit être maîtrisée. Je peux dire quelque chose dans l'émission là. Quand vous me dites ou dit peut-être en français ou en parabole ou dit on bagaille même pas parler jour avec la sans honte. L'autre jour je disais à une radio quand Dessalines était dans le fort de la Petite Rivière, il disait ceux qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Ceux qui ne le veulent pas, laissent le fort. J'ai dit à tout le monde de reprendre cet idéal des alignés qui dit on ne parle pas la lose, on rythme fort pour nous combattre Jovenel. Mais lorsque je dis ça, je veux être rassembleur et reprendre l'image d'un grand homme pour me rassembler tout le monde. Si on a qui des bonnes tendances, on nous garde côté lié. Donc, même pas besoin de jouer en aigle, ou bien si on a qui a moins de capacité, ou si on a qui a l'autre bagage que fait. Non, je dois l'accepter comme tel. Les gens ont moins de capacité intellectuelle et puis ils ont un gros leadership. Tout. Les gens doivent arriver, ils ont un problème côté de faire. Oui. Donc il faut accepter les gens. Il y a des gens qui ne doivent pas rassembler. Tu n'auras jamais l'unanimité, mais tu auras une majorité. Maintenant, sénateur. Et c'est à travers cette majorité qu'il faut construire. Parce que génération qui vient après eux. On prend un exemple, moi-même, qui est dans la cinquantaine. Mais les gens qui viennent après eux, si tu prends chaque génération de 20 ans, les gens qui ont 30 ans, yo moins attaché oui Haïti ça parce que exemple que ou pas bon même autrefois en 86 l'on est tap levé moi même tap levé qu'on arrive à Boto nous te connait des exemples de solidarité pas de sécurité c'est vrai te gen makout mais nous te remè en vacances dans la rivière nous te voit des exemples qui te fait que moi mes pays a je dis à génération qui vient après nous yo pas quand vivre bas ça non yo vivre en sécurité yo vivre des choucages yo vivre c'est ça seulement yo vivre et que je dis à si nous pas font effort nous mêmes qui devant pour que nous montrer que pays a dans notre sens nous allons perdre justement tous les cadres tous les leaders et tous les talents que nous avons parce que ils verront d'Haïti l'enfer et dehors le paradis donc je dis à il y a des sacrifices pour nous faire surtout que il y en a qui combattent le système à l'intérieur du système, il y en a qui combattent à l'extérieur, ou qui a toujours joué une façon pour jouer les gens. Et les gens qui étaient dehors ont dit, nous sommes blancs. Est-ce que c'est parce que l'autre dehors c'est blanc? Et à ce moment-là, on met maintenant pas là. Quand on met dans la patte là, c'est au pire pas bon. Comment on va jamais faire expérience? Il y a des gens qui disent, dès que tu es là depuis 10 ans, mais pendant 10 ans, je prends plus l'expérience, je fais des erreurs. Même là, ou même si tu as fait la même expérience, peut-être que tu es déjà dans la prison, dans tout plein de bagages. Donc, parce que tu n'as pas fait l'expérience. Donc, il faut respecter les gens avec l'expérience et il faut respecter également la nouveauté. Parce qu'il y a des mondes qui paraissent avec de nouvelles tendances, de nouvelles idées qu'il faut se mettre ensemble pour arriver à construire l'idée haïtienne. Donc, moi, penser que je dis, sans dire, nous qu'à arriver faire. Moi, j'ai pris l'exemple du Sénat. Je dis, si dans l'opposition, nous pas arriver à construire un leadership collectif. Pas avec l'unanimité. Il y a des gens qui ne peuvent venir. Mais on a la majorité, nous ne pouvons pas gouverner. Et c'est peut-être ça, moi, je dis que, premièrement, il faut s'accepter les uns les autres, s'entendre sur un minimum pour Haïti et avoir un programme de sortie. Parce que l'après-Jovenel, il faut parler de l'après-Jovenel, mais de l'après-Jovenel, il faut regarder justement la transition. Tout le monde a un programme de transition. Mais il faut regarder la gouvernance aussi. Ce n'est pas une transition qui ramènera. Le PHTK, non, c'est une transition qui doit ramener une nouvelle équipe de gouvernance. Mais et c'est là, moi, parlons du quintuple sécuritaire. Qui s'appelle Pakala, sénateur. Écoutez, je respecte beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont au PHTK que je connais. Mais écoute, on a fait beaucoup d'efforts. Mais le constat est accablant.
C'est-à-dire que on ne peut pas recommencer lorsque le constat est aussi accablant. Et on connaît ça, le gars, qui est un peu le reproche pour bah, ça. Disons. On est de grande intelligence d'un coup. Donc, ça veut dire qui certainement gagne un bagage fondamental en politique, la capacité d'anticipation, qu'on ait sacré la notion de gouvernement.